Cette idée des voyages, je l'ai eue en lisant notamment sa correspondance avec Ferenczi. Il avait peur des trains, d'abord, et il avait peur des voyages. Et pourtant, il a voyagé. Freud a mis des semaines à choisir sa cabine, est-ce qu'il allait être en haut, sur le premier pont, le deuxième pont, enfin bon. Et finalement, ces trois hommes vont aux États-Unis, et en fait, ils sont sur le pont, il y a lui, il y a Ferenczi, il y a Jung, et ces gens-là se racontent leurs rêves. Le premier voyage, c'est effectivement, il est jeune, il est médecin, il vient faire un stage à Paris, Paris, c'est la ville lumière, et il va découvrir avec Charcot, à la Salpêtrière, les premières grandes hystériques qui sont des grandes comédiennes en fait, et il va découvrir l'hystérie. À Rome, il n'y arrive pas, et à Rome, en fait, il veut y aller, et il va s'arrêter, et il va avoir ce souvenir qui va lui revenir de son père. Il voit son père humilié devant lui. En fait, là, pour lui, c'est effectivement, ça va être la découverte, si on peut dire, du complexe d'Œdipe. L'Acropole, c'est encore autre chose, parce que c'est, en fait, il veut y aller, là aussi, il change d'itinéraire, et il y va tout de même, mais il a l'impression de l'avoir déjà vu, une impression de déjà vu. Et en fait, là, ça va être pour lui plutôt la découverte de quelque chose, d'une irréalité, un sentiment d'irréalité, et peut-être quelque chose de la psychose. Lui n'y croit pas, hein. Il est persuadé que l'Autriche restera à l'abri des ambitions d'Hitler. Il ne croit pas du tout. Il faudra vraiment que Marie Bonaparte le pousse en lui disant maintenant il faut partir, que son fils qui est en Angleterre, donc Ernst, lui prépare une maison à l'identique de son appartement de la Bergasse. À Marshfield Gardens, qui lui prépare exactement la même maison, le même appartement, avec ses statues et tout. Il va lui préparer l'identique pour qu'il accepte d'y aller. Et il ira, en fait, finalement, pour Anna, pour sa fille, en se disant, je ne peux pas rester là. Et en fait, ce sera vraiment le dernier moment. Et quand la Gestapo viendra pour lui donner les papiers et tout, lui faire signer les papiers, il dira, est-ce que ça s'est bien passé? Et il dira, je recommanderais la Gestapo à tout le monde. C'était intéressant de voir, à travers ces différents voyages, comment il avançait théoriquement dans la psychanalyse. Si les voyages représentaient, on pourrait dire, des scansions dans son œuvre.